Que ces enfants étaient heureux. Mais ça ne devait pas toujours durer. Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine très mal disposée à leur égard. « Envolez-vous de par le monde et débrouillez-vous, » dit la méchante reine. « Volez comme de grands oiseaux, mais restez muets. » Baba Yaga revint rapidement à elle et la cabane se mit à poursuivre Ivan. Ivan courut encore plus vite, mais la cabane gagnait du terrain. Ils couraient et sautaient tous deux par-dessus les nombreux arbres quand enfin la forêt devint suffisamment épaisse pour décourager Baba Yaga. Ivan continua à courir et sema définitivement la maudite sorcière. On sait de père en fils, Ivan. Que cachaient les mortels. Ce n'est que l'orgueil qui ne peut pas quitter notre cœur. Mais toi, Ivan, tu pourras le vaincre. J'ai foi en toi. Depuis des centaines d'années, il est interdit à tous, sauf à moi, de prononcer ce mot dans mon royaume. Moi, c'est moi, Cachet l'immortel, que les autres emploient d'autres mots. Ivan se dit alors qu'il n'avait encore jamais été dans une situation aussi absurde. Le rossignol mécanique servit fidèlement l'empereur pendant 6 ans. Mais un jour, quelque chose coinça à l'intérieur du rossignol et la musique s'arrêta. Il n'y avait maintenant plus personne pour divertir l'empereur. L'empereur tomba malade et gisait immobile dans son lit. Il pouvait à peine respirer, comme si quelque chose pressait sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux. « Musique !» « Musique !» criait l'empereur. Mais l'oiseau n'en fit rien. Oh, « Je te flaire, mon cher. Toi qui es venu, si vivant, si délicieux, et qui sent si bon. Ah, qu'il est jeune, qu'il est beau, qu'il est large d'épaules. « Entre, mon cher, sois le bienvenu. » Une beauté inouïe se tenait devant lui. Ses yeux ressemblaient à de grands lacs purs et elle portait une couronne d'or sur sa tête, planant entre terre et ciel. « Bonjour, Ivan. Enfin, nous nous revoyons. » Ivan pleura de joie. « Est-ce possible que je sois parvenu au bout de mon chemin? Est-ce que mon rêve s'est enfin réalisé ?» murmurait Ivan. Ivan connaissait bien la réputation de ces Vadianoï. « Tous ceux qui t'ont suivi ne sont jamais revenus. Va-t'en d'ici !» s'exclama Ivan. « Comme tu voudras, mais méfie-toi de cette sorcière. Elle te mènera à ta perte. » ricana l'homme-poisson avant de disparaître dans la rivière.